Quelques informations précises sur les technologies massives que sont gravitron et la technologie seuil, dit threshold en anglais. Toutes ces technologies, threshold et gravitron, font partie d'un ensemble qui est appelé la bête. Ces dernières ont occasionné une inclinaison de l'axe de rotation terrestre de 23,5 degrés. La technologie seuil est employée par les reptiliens tétans. Dans un premier temps, il faut savoir qu'une autre technologie très puissante fut mise en route par une autre faction d'entités appelée Boudaras, entités ayant la forme d'araignées. Ces dernières surclassaient en puissance toutes les autres entités plus connues, comme par exemple les Anunnaki. La bête a été initiée il y a 3570 milliards d'années par les Métatrons et plus précisément les Boudaras. Pour le localiser, le réseau de vortex gravitron était relié à notre système solaire entre le Soleil et la Terre. Globalement, gravitron inverse une structure primordiale située bien en dessous du niveau atomique qui est appelée germe démon. Pour schématiser de manière très simplifiée, gravitron, c'est un gigantesque harnais, comme un collier magnétique qui récupère une spirale naturelle énergétique de la Terre pour la transformer en un ensemble de vortex. Ceci entraîne la création d'un champ magnétique artificiel qui engendre entre autres une gravité beaucoup plus importante même dans notre densité. Tous ces vortex gravitron engendrent et maintiennent une configuration particulière appelée pomme empoisonnée. Pomme qui fait ici référence à la Terre, une thématique d'ailleurs abordée dans Blanche-Neige et les Sept Nains, les Walt Disney regorgent de références cachées. Plongeons la pomme dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison. Vois apparaître sur le fruit le symbole de ce qui détruit. Pomme devient rouge pour tenter Blanche-Neige et lui donner envie de te croquer. Tu en veux? Ce n'est pas pour toi. C'est pour Blanche-Neige. Quand elle mordra dans cette pomme pour goûter à ce fruit mortel, son souffle s'arrêtera, son sang se glacera, et je serai la plus belle sur terre. Voyons. Il y a peut-être un antidote. Il ne faut rien négliger. Oh, nous y voici. La victime du sommeil de mort ne peut être ramenée à la vie que par un premier baiser d'amour. Un premier baiser? Bah! Il n'y a pas de danger. Les nains vont la croire morte. Ils vont l'enterrer vivante. L'enterrer vivante. Qui a soif? Eh bien, bois. Donc, pomme empoisonnée, c'est le maintien de l'axe artificiel de rotation dans cette configuration modifiée de 23,5 degrés. Ensuite, tout ceci fait partie d'un plus vaste réseau appelé filet et qui est ancré à Mexico dans les temples mayas et qui cause de plus en plus de tempêtes depuis qu'il a été activé en 2005. Toutes ces technologies ont pour but d'emprisonner la Terre et tout ce qui est vit dans cette densité, d'en prendre le contrôle et but ultime de l'absorber dans la matrice fantôme. Cette dernière est manifestée dans notre densité par le massif trou noir dans la Voie lactée, qui est cette gigantesque matrice fantôme. Plus récemment, les Tétans ont passé la quasi-totalité des 150 dernières milliards d'années dans cette matrice fantôme reptilienne.
Ils sont réapparus récemment, attirés par les énergies du cycle actuel, et en particulier celles issues du premier processus de réinitialisation qu'ils peuvent détourner à leur profit. Le mot le plus approprié concernant leurs actions est anglais. Ils ont overridé et pris le contrôle de la technologie Boudara, appelée Gravitron, et ont permis le déclenchement naturel du deuxième processus de réinitialisation appelé Feu Stellaire, celui-ci beaucoup plus puissant et irréversible. Ceci a aussi engendré l'intervention de gardiens extrêmement évolués, très proches des niveaux fractals de la source, et qu'aucune entité déchue, même les plus puissantes, comme les Tétans, n'aurait l'idée même infime de s'y opposer. Pour comprendre leur objectif actuel, les Tétans n'ont pas pour but d'empêcher la plus grande partie de l'humanité et des autres règnes sur Terre, animaux, végétaux, minéraux jusqu'aux élémentaux. C'est pour ça qu'il est préférable de retarder au maximum le déroulement final du processus Feu Stellaire jusqu'au maximum 2047-2051. Mais ceci peut aussi se dérouler à tout moment à partir de la fin du processus explosion stellaire, c'est-à-dire après 2012 et dans d'innombrables planètes de notre matrice. Les Tétans ont donc le choix entre plusieurs voies. Ils peuvent suivre le processus de feu stellaire pour se rapprocher vers des niveaux fractals plus proches de la source où il n'existe pas de distorsion. Mais ils ont plutôt pour but de prendre la direction de notre voie, avec pour objectif un contrôle total. Il s'agit d'une voie appelée Kal Souverain. C'est un monde qui n'a plus de possibilité d'évolution, dont toute mémoire antérieure est effacée. La troisième et dernière voie, c'est la chute dans la matrice fantôme, celle des reptiliens. Néanmoins, beaucoup d'entités déchues demandent aux gardiens, de peur de tomber sous le contrôle inéluctable et irréversible et vraiment peu enviable des reptiliens, évidemment, une pseudo-vie d'esclave dans une matrice fantôme sans possibilité de sortie de cet état et sans évolution possible, pouvant durer une éternité tant que la matrice fantôme trouve à se nourrir en énergie, c'est forcément pas très attractif. Pour en revenir à la technologie Seuil, même si elle a pour objectif anticipé de prendre le contrôle avant que ce monde ne soit souverain, elle nous touche tout de même par ses effets. Cette technologie a été déclenchée dans la semaine du 21 au 28 mars 2006. Néanmoins, cette technologie est connue depuis longtemps et a déjà été utilisée dans le passé. Cette technologie se manifeste comme une spirale appelée spirale serpent, conduisant à la formation de ce qui est appelé étoile de la mort, perception transmise de façon allégorique par l'initié George Lucas dans La guerre des étoiles. Évidemment, ça n'a pas la même configuration et ce n'est pas une planète artificielle habitée comme dans le film. Mais ce qu'a voulu transmettre de façon cachée George Lucas, c'est son énorme potentiel de distorsion et de destruction. Bien sûr, on y retrouve la lutte entre entités qui ont suivi la pente de la déchéance, de la domination et de la destruction, et ceux qui luttent pour la liberté et l'émancipation, idée véhiculée dans de nombreux films. Donc cette étoile de la mort, dans des termes plus techniques, c'est un cristal électromagnétique hexagonal ultra puissant, capable de transformer toute la structure anatomique subtile, et en particulier ce qui est appelé corps cristal. Cela le modifie encore métatronique pour le mettre en phase avec une chute dans une matrice fantôme. Cette technologie est appelée technologie Seuil car ça se manifeste comme une grille entre les niveaux atomiques et éthériques qui récupère les énergies issues de la première réinitialisation, appelée spirale cristalline de vie, transformant tout en état métatronique de déchéance. Ça peut donc détourner toute structure moléculaire dans la matrice. À noter que la spirale serpent est une spirale finie, reliée à la spirale issue du nombre d'or, le nombre d'or qui est une distorsion. Nous reviendrons plus tard sur les spirales finies, comme celle de Fibonacci et du nombre d'or, et sur la spirale évolutive ouverte, dite christique. Cette spirale serpent, donc la technologie Seuil, n'a pas d'existence propre et ne peut exister qu'en s'attachant et en détournant la spirale cristalline de vie, d'où l'activation de cette technologie à ce moment du cycle. Voilà pour ces quelques explications concernant les technologies reptiliennes.